Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est LH107 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 ou 7, je sais plus trop, de la course aux armes sur Killzone Mercenary. Donc là, on se retrouve avec le M33, donc c'est un sniper semi-automatique avec un silencieux. Voilà. Donc au niveau de ma classe, donc j'ai en secondaire, on s'en bat les couilles comme d'habitude dans les courses aux armes. J'ai des grenades paralysantes ou flash, je sais plus trop comment on pourrait dire ça. Et puis voilà. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Killzone, donc ça fait plaisir de reprendre le jeu en main. Mais je pense que je vais me faire enculer, mais vraiment. Alors, donc on va un petit peu parler de cette arme. Donc ce qui est bien avec cette arme, c'est qu'elle one shot, je crois, les, voilà, les armures comme ça. Elle one shot aussi les armures ceux-là, voilà. Bah c'est bien, ça peut montrer des exemples. Donc ça peut déglinguer les armures silencieuse, la infiltration et les armures mercenaires. Donc c'est plutôt pas mal. Après, son gros défaut, c'est qu'elle one-shot plus après les autres mobs, types d'armures, mis à part les le combat et la munition dans la tête, voilà, avec une balle dans la tête. Donc là, sinon j'utilise le ghost pour être invisible, parce qu'avec cette arme là, ça peut être commandé. Recommandé, parce que ça veut pas dire grand chose. Donc voilà. Donc là, je suis en train de filmer avec une nouvelle caméra, les potes, pour la Vita. Dites-moi si ça vous plaît, cette nouvelle caméra. Hop là, bah c'est bien. En plus, il n'y a que des ennemis avec des armures de merde. Ce qui va me permettre vraiment de one-shot avec. Bon, franchement, hein, donc ce sniper, c'est un pur régal. Si tous les ennemis vous sont avec une armure balistique ou machin chose. Donc normalement la qualité devrait être meilleure, je crois. Je sais pas si ça filme en 1080. Oh putain. Oui tu connard. Allez mais putain hein. Voilà. Ok. Marqueur. On peut en faire quelques hits marqueurs dans le pied avec ce sniper. C'est pas gênant hein, si on arrive bien à viser. N'empêche, je suis vraiment content de refaire la course aux armes. C'est vraiment un grand moment que j'ai pas fait de vidéo sur Killzone. Sur PS Vita, ça fait pas trop longtemps, mais bon, j'en ai pas trop proposé en ce moment. Parce que je pense que pour ceux qui me suivent vraiment, ils doivent savoir pourquoi. Pour ceux qui m'ont regardé une vidéo par mois, bon, bah, ils doivent pas savoir pourquoi j'ai plus trop de vidéos sur PS Vita. Mais bon, en gros, la PS Vita est cassée, voilà, donc là je joue avec des boutons en moins et tout, mais j'ai de jouer de mon mieux. Attendez, j'ai juste un petit peu mieux. Un peu mieux cadré. Voilà. C'est un petit peu dommage, je l'avoue. Mais bon. Malheureusement, je peux pas faire mieux. Tech meurtre. Hop là. Oh putain, l'enculé. Imaginez, j'aurais fait une triple. Ce serait vraiment beau. C'est pas grave. Hein. Hop, petit ghost. Donc, le bruit du sniper, je ne pourrais pas trop vous montrer. J'espère que vous avez pu l'entendre un petit peu. C'est juste que mon son ne marche plus avec ma PS Vita cassée. Ne marche plus très bien. Je peux pas le mettre trop fort en fait. Donc lui il est mort, on peut aller le réanimer. Voilà, meurt. C'est vraiment un sniper assez sympathique à jouer. Si vous voulez faire des petites parties privées comme ça entre potes, vous souhaitez, venez on fait un petit petite partie au M33. Je pense que ça peut passer crème hein. C'est vraiment une arme très sympathique à jouer comme vous voyez. Donc dites moi si la caméra celle là vous plaît pour les vidéos Vita. Je sais que personne va te dire encore une fois, mais bon, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va répondre enfin à une question que je dis en vidéo.
Là, le bâtard. Ah, le Mantis Engine, par contre, il pète toujours les couilles. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment le truc qui te casse les couilles. Ah, mais putain, on dirait. Tu sais, quand il vient t'attaquer, tu peux plus tirer, c'est ça le truc. Moi, du coup, il va me péter les couilles. Je crois qu'on peut le détruire avec une grenade. Putain. Donc, je vais pas faire de petites coupures. À part ça, vraiment, ça me saoule. Hein, ouais. Ah, bah, c'est bon, il est plus là. Alors. Tiens, meurs. Il s'est suicidé le con. Bon, ça va, ça se voit, j'ai pas trop perdu la main. Bon, un petit peu quand même. Mais bon. Quand même, c'est le jeu, vraiment, ce jeu-là, j'ai pas dû y jouer pendant. Voire 3 mois même. Vraiment, sans mentir. Hein. Non, non, heureusement qu'on perd pas l'habitude d'un jeu. Oh bah merde. Bah par contre ce qui est furieux, je pourrais pas faire grand chose. Bon les gars, je vais faire une petite coupure hein, en attendant que le Sky Fury disparaît. Parce que sinon je pourrais pas trop faire quelque chose. Allez, à tout de suite. Donc re les gens, donc le Sky Fury a disparu. Donc c'est bon. Attendez. Voilà, ouais, il a été détruit, je sais pas pourquoi le disque maintenant, pourtant je l'ai pas vu sur le radar. Mais bon, il a été détruit, donc c'est cool. Alors, il reste quelques kills avant la fin de la game. Bon, là, par exemple, mon personnage, je vais pas s'arrêter. Pardon. C'est un petit peu des bugs comme ça qui sont vraiment très chiants. Parce qu'en fait, mon personnage avance tout seul, du coup, il continue à arrêter, hein, parce que je peux pas le reculer, en fait. Je suis obligé de tourner la caméra, en fait. Ah bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez sur l'arme. Hein. Vous n'êtes pas obligé, faites comme vous voulez. Et voilà. Allez, ciao les amis. Regarde juste mon score. Allez, 17-8, bon, c'est bof. Mais bon, allez, c'est pas grave. Allez, ciao.